Bonjour, j'espère que tout le monde nous entend. Normalement, oui. Nous allons débuter ce débat. Avant, une petite précision, nos deux intervenants vont parler dans le micro. Moi, je vais leur passer la parole et ensuite je parlerai sans micro. Vous avez normalement trouvé sur chacun des sièges un casque et un récepteur. Donc, pour nous entendre, il faut mettre le casque. Nous vous demandons de le garder pendant toute la durée du salon. Donc, n'hésitez pas, si vous faites plusieurs ateliers, à conserver le casque. En revanche, merci de laisser le récepteur, qui est le petit boîtier noir, sur le siège à la fin de cette conférence, puisque les boîtiers restent et les casques, vous les gardez avec vous. Et vous pouvez même les emporter chez vous. Voilà. Nous allons donc débuter ce débat qui a pour thème transmettre son patrimoine. Pour toi, pourquoi se tourner vers le contrat de capitalisation? Il durera environ 40 minutes. Nous laisserons un petit peu de place à la fin pour les questions du public. Et je vais vous demander de couper vos téléphones portables, etc. etc. Je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Marie Pelfic, je suis journaliste indépendante. C'est moi qui vais animer ce débat. Et je passe la parole à Marie et Julien. Et nous allons commencer par Marie. Bonjour à tous, Marie Daskalakis. Je suis responsable de partenariat et du développement commercial pour la compagnie d'assurance vie Wellins. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en présentiel à l'occasion de ce salon BFM Patrimoine. Je suis Julien Milinkiewicz et je suis responsable de l'ingénierie patrimoniale principalement sur le marché français chez Wellins depuis 6 ans maintenant. Nous allons débuter avec la fiscalité en France. La transmission subit une fiscalité assez lourde. Donc, il existe des produits, Marie, qui permettent d'éviter ou en tout cas de limiter cette fiscalité. Le contrat de capitalisation fait partie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors effectivement, le contrat de capitalisation fait partie de ces outils patrimoniaux. Donc chez Wellins, on l'utilise très régulièrement donc pour structurer le patrimoine de nos clients. Donc ça se fait justement au travers du sur-mesure en cohérence et surtout avec l'aide de Julien, notre ingénieur patrimonial. Donc chez Wellins, comment nous travaillons le contrat de capitalisation, c'est vraiment de l'architecture ouverte. On a plus de 400 gestionnaires financiers, CGP, et plus de 150 banques dépositaires, et ça nous permet de vous proposer une offre soit au travers d'un fonds interne dédié, d'un fonds d'assurance spécialisé ou de la gestion libre. Donc on sera disponible un peu plus tard pour vous expliquer un petit peu plus en détail quelles sont ces trois solutions d'investissement. Dans le cadre toujours des contrats de capitalisation, nous intégrons donc du sur-mesure pour nos clients, et donc ça peut être des unités de compte ou bien des produits structurés si vous souhaitez les intégrer, même pour des personnes physiques ou des personnes morales à l'intérieur des contrats. Et aujourd'hui, ce qui se fait aussi très, très souvent, c'est le non-coté, donc le private equity, qui peut être également mis en place dans nos contrats de capitalisation. Julien. Le contrat de capitalisation a aussi un intérêt fiscal, je crois, Julien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence peut-être avec un contrat d'assurance vie classique? Oui, effectivement, on voulait un petit peu, à l'occasion de cet atelier, on est un assureur, on fait du contrat d'assurance vie, mais on fait également du contrat de capitalisation. Et le contrat de capitalisation, c'est quoi? Le contrat de capitalisation, ça ressemble à l'assurance vie, c'est comme l'assurance vie, mais ce n'est pas de l'assurance vie. Le contrat de capitalisation, ça ressemble à l'assurance vie parce qu'effectivement, ça relève du code des assurances au niveau de la réglementation. À l'intérieur des actifs sous-jacents au contrat de capitalisation, vous avez des supports identiques à ceux du contrat d'assurance vie, hein, pour ce qui concerne les acronymes luxembourgeois des fonds externes, des unités de compte, du FID, du fonds interne dédié, du FAS. Vous êtes soumis aux mêmes règles en ce qui concerne le délai de rétractation des 30 jours. Vous êtes soumis également à la même fiscalité en cas de rachat, c'est-à-dire que lorsque vous faites un rachat sur un contrat de capitalisation en tant que personne physique résidente française, vous êtes soumis aux mêmes règles fiscales que le rachat sur un contrat d'assurance vie pour une personne physique résidente française, à savoir depuis 2017 la flat tax de 30% en prélèvements sociaux. La principale différence entre le contrat de capitalisation et le contrat d'assurance vie, c'est que déjà d'une part, dans le cadre du contrat de capitalisation, vous n'avez pas de vie assurée. Donc au moment du décès du souscripteur, du preneur du contrat de capitalisation, le contrat de capitalisation n'est pas terminé et il est transmis directement aux héritiers. Ça, c'est le premier, en tout cas, avantage et c'est la première distinction au niveau comparaison contrat d'assurance vie et contrat de capitalisation. Et puis, alors que le contrat d'assurance vie, vous le savez, est soumis à un régime fiscal très attractif,
à travers le 990i du Code général des impôts pour les primes versées avant 70 ans, qui permet d'optimiser la fiscalité en cas de décès. Dans le cadre du contrat de capitalisation, le contrat est transmis dans son entier, mais il est par contre soumis au barème des droits de mutation à titre gratuit, c'est-à-dire aux droits de succession classiques. Voilà les principales différences et les principaux points communs entre le contrat de capitalisation et le contrat d'assurance vie. Maintenant que nous avons eu cette présentation très claire de la différence et des avantages, Marie, est-ce que vous pouvez nous expliquer, dans le cadre d'une politique ou d'une stratégie de transmission pour un patrimoine, quels sont les avantages intrinsèques du contrat d'assurance vie en termes peut-être de construction, en termes de sécurité, c'est-à-dire pas uniquement pour des raisons fiscales, pour des raisons patrimoniales, financières. Est-ce que ça a un intérêt de faire ce contrat et qui a intérêt à le faire? Alors effectivement, il y a un intérêt à faire un contrat de capitalisation ou bien même d'assurance vie luxembourgeois. C'est vrai qu'effectivement, le premier élément, c'est le Luxembourg en soi. Le Luxembourg aujourd'hui conserve sa notation de AAA, donc donnée par les différentes agences de notation. Donc c'est quelque chose qui est encore assez rare au niveau mondial. On a donc une stabilité économique, politique et financière importante. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est vraiment le cadre réglementaire qui est aussi intéressant pour les contrats d'assurance vie que pour les contrats de capitalisation, c'est-à-dire notre commissariat aux assurances, donc notre organe de régulation qui protège le souscripteur de différentes façons. Donc on connaît, je pense, pour ceux qui pratiquent un petit peu les contrats luxembourgeois, ce fameux triangle de sécurité avec la ségrégation des actifs du souscripteur et de l'assureur. Donc il y a une séparation physique entre les avoirs, les actifs du souscripteur et de l'assureur et des autres créanciers. Et cela, ça se matérialise par la signature d'une convention tripartite entre le commissariat aux assurances, la banque dépositaire et bien sûr l'assureur. Donc là, c'est vraiment déjà une protection juridique unique en Europe qui peut être un élément important pour des clients qui souhaitent une protection supplémentaire de leurs avoirs et aussi dans un cadre de diversification patrimoniale parce qu'ils ont déjà ce genre d'actifs en France. Autre chose, c'est vraiment... un autre point qui découle un petit peu de ce triangle de sécurité, c'est le super privilège que les souscripteurs peuvent avoir au Luxembourg. Et donc, demain, s'il y a une faillite d'un assureur, le souscripteur est un créancier privilégié de premier rang. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas dans des entités françaises ou des assureurs français. Donc, c'est aussi une augmentation de la sécurité pour les avoirs, que ce soit pareil dans un contrat de capitalisation ou dans un contrat d'assurance vie. Et lorsqu'on rentre un petit peu plus dans le détail, pourquoi venir faire un contrat de capitalisation au Luxembourg? Parce qu'on peut effectivement à l'intérieur du contrat avoir une gestion multidevise. Vous pouvez avoir des clients ou même des sociétés qui ont de la trésorerie, je ne sais pas, en dollars et qui souhaitent rester et conserver leurs dollars et donc investir directement dans cette devise. La possibilité aussi de nantir le contrat et de pouvoir effectivement obtenir des crédits pour ces sociétés ou bien même pour ces personnes physiques. Et bien évidemment, la neutralité fiscale du Luxembourg. Donc, vous êtes une personne physique ou bien une personne morale, on va toujours regarder votre résidence fiscale pour pouvoir voir l'impact de la fiscalité en fait, de votre contrat. Et autre point, donc pourquoi faire ce contrat est chez nous, donc c'est aussi une question de rapidité. Aujourd'hui, d'ici quelques semaines, voire début d'année, on va lancer également la souscription digitale du contrat de capitalisation. Aujourd'hui, on est vraiment axé sur la personne physique et on a déjà lancé l'offre, mais on va lancer le contrat de capitalisation de façon digitale et c'est aussi une façon de mêler la sécurité de vos avoirs et aussi d'avoir aussi un point de rapidité quand vous mettez en place vos contrats. Effectivement, le contrat de capitalisation, il est encore largement utilisé pour les personnes morales, dans le cadre de gestion de trésorerie de personnes morales, que ce soit des sociétés d'exploitation ou des sociétés ayant un objet patrimonial, on le verra ultérieurement. Mais pour les personnes physiques, l'attrait du contrat de capitalisation, le véhicule avait perdu de son intérêt depuis 2018. Effectivement, pourquoi ? Sans revenir aux dinosaures, auparavant, avant 2018, vous aviez l'impôt sur la fortune, l'ISF, qui a été supprimé et qui a été remplacé par l'IFI. Et pour les personnes physiques, l'avantage de souscrire un contrat de capitalisation au regard de l'ISF à l'époque, c'était de geler son assiette ISF sur ce qui était investi sur le contrat de capi. C'est-à-dire que sur le contrat de capitalisation souscrit par une personne physique, au regard de l'ISF, le contribuable ne déclarait que la valeur nominale de son contrat, ne déclarait pas tous les actifs,
tous les, la performance relative aux actifs sous-jacents. Donc, un simple exemple, qui vaut mieux parfois en fiscalité qu'un long discours, vous souscriviez un contrat de capitalisation de 100 au temps de l'ISF, vous déclariez toujours sur votre déclaration d'ISF 100, quand bien même le contrat prenait une dizaine de pourcents par année. Effectivement, depuis 2018, et la suppression de l'ISF et le remplacement par l'impôt sur la fortune immobilière, l'assiette ne concerne que l'immobilier, le contrat de capitalisation avait perdu un petit peu d'intérêt pour les personnes physiques, puisque que vous investissiez en contrat d'assurance ou en contrat de capitalisation, vous étiez en dehors de l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière. L'intérêt est revenu sur le contrat de capitalisation du fait d'une modification fiscale qui s'est prononcée fin 2019 et qui a été rendue publique début 2020. Alors ensuite, l'année 2020 a été particulièrement chargée sur d'autres sujets peut-être plus importants que le contrat de capitalisation, donc c'est peut-être un petit peu passé de côté. Auparavant, lorsque vous faisiez une transmission à titre gratuit d'un contrat de capitalisation, que ce soit à l'occasion d'une donation ou tout simplement d'une succession, le contrat de capitalisation était soumis à une double fiscalité. Donc vous aviez une incohérence fiscale en la matière, vous étiez soumis, votre héritier était soumis au droit de succession, et dans l'hypothèse où il faisait un rachat ultérieur sur le contrat de capitalisation, votre héritier, il était soumis à fiscalité, l'impôt sur le revenu, mais sur les produits qui avaient été dégagés, capitalisés depuis la souscription, depuis la date d'origine du contrat. Je m'explique. Vous souscriviez un contrat d'assurance vie, un contrat de capitalisation en tant que personne physique pour une valorisation de 100. Au moment de votre décès, le contrat était valorisé 120. Votre héritier était soumis à une double fiscalité. La première fiscalité aux droits de succession, qui sont parmi les plus élevés du monde, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Marie, en tout cas en France, sur la base 120, sur la valeur liquidative au moment du décès du souscripteur. Et puis, dans l'hypothèse où ensuite votre héritier désirait faire un rachat total de ce contrat de capitalisation pour investir par ailleurs, il était imposable à l'impôt sur le revenu sur les 20, donc sur l'ensemble des produits qui avaient été dégagés par la gestion, par les actifs sous-jacents depuis la souscription du contrat. Donc il y avait quand même une double taxation, une incohérence en la matière avec une double taxation sur, en réalité, la même somme. Une somme qui était soumise aux droits de succession qui ne sont pas neutres en France et une somme qui était taxée sur les produits en cas de rachat. Le BOFIP a été modifié par la loi de finances 2019 en la matière et désormais, je reprends mon exemple, vous avez votre contrat de 120, votre souscripteur au moment de son décès est toujours soumis au droit de succession, bien sûr, mais par contre, la transmission à titre gratuit a purgé la plus-value et dans l'hypothèse d'un rachat quasi concomitant, il n'a plus à payer l'impôt sur le revenu sur les produits qui ont été dégagés avant le décès, avant la transmission, le décès du preneur dans mon exemple. Donc, ce qui explique que le contrat de capitalisation, au-delà de sa souscription par des personnes morales, pour des personnes physiques, peut retrouver un certain attrait puisque désormais, il n'est pas doublement pénalisé. Le contrat de capitalisation, à l'image de ce qu'on peut retrouver sur du compte-titre, en cas de donation ou de transmission, les donations vont être purgées. Toutes les plus-values réalisées avant la transmission, à titre gratuit, donation, décès, ne seront pas imposables en cas de rachat ultérieur. Alors oui, hein, vous avez la possibilité chez Wellins de souscrire des contrats de capitalisation pour des personnes morales et bien sûr des personnes physiques. Personnes morales, ça peut être des personnes morales à l'IR ou bien des personnes morales à l'IS, holding ou bien des sociétés commerciales avec un objet d'exploitation. Pour tout ce qui va être des personnes morales à l'IR, effectivement, c'est une personne morale qui va être fiscalement transparente. C'est-à-dire que si demain vous effectuez un rachat, eh bien, ce sont les associés qui vont supporter l'imposition et qui vont également supporter les prélèvements sociaux dans le cadre du rachat. L'entreprise sera l'agent payeur, mais c'est bien l'associé qui va définir son option fiscale, à savoir soit le PFU ou bien soit une imposition à l'IR. Contrairement donc à la personne morale à l'IS, où là, effectivement, on est sur une imposition annuelle. Donc, on va définir, la prime va être définie de façon forfaitaire. C'est la fiscalité, justement, des primes de remboursement. Et dans les contrats en UC, parce que chez nous, nous avons des contrats à 100% UC, hein, nous n'avons pas de fonds euros dans nos contrats. Effectivement, cette prime de remboursement qui va être évaluée de façon forfaitaire va s'appliquer à la valeur du contrat, avec un taux actuariel de 105% qui va être défini sur le TME actuel, donc le taux moyen d'emprunt d'État.
et cela au moment de la souscription. Donc on va figer cette prime de remboursement au moment de la souscription du contrat. Et c'est sur cette base-là qu'on va imposer annuellement le contrat. Donc en cas de rachat, donc des rachats partiels ou un rachat total, on va donc définir la plus-value du contrat et on va venir déduire les primes de remboursement qui ont été imposées antérieurement. Et c'est cette plus-value-là qui va être effectivement indiquée dans le résultat comptable final. Si effectivement au niveau de la plus-value, on se retrouve, lorsqu'on déduit toutes ces primes de remboursement, on se retrouve avec une plus-value inférieure à ces primes de remboursement. Donc là, on a une charge qui va être déductible de votre résultat fiscal en fin d'année. Donc ça, c'est vraiment les éléments importants. Pour la personne morale à l'IS, c'est un petit moment, on fait un résumé. L'intérêt, c'est qu'effectivement, vous avez une base imposable qui est complètement décorrélée de la valorisation de votre contrat. Vous avez un TME qui va être fixé et une valeur de contrat qui va être figée au moment de la souscription. Vous n'avez pas de prélèvements sociaux dans le cadre d'une personne morale à l'IS et vous n'avez pas non plus de pénalité en cas de sortie parce que nous n'avons pas de fonds heureux et nous n'impactons pas en cas de rachat de pénalité sur nos contrats. En termes de stratégie, maintenant, est-ce qu'on peut donner un contrat d'assurance vie ou Marie peut donner la... Non, je laisse la place à mon ingénieur patrimonial pour répondre à cette question. Merci. Oui, l'avantage effectivement du contrat de capitalisation par rapport au contrat d'assurance vie, un des avantages, c'est que justement le contrat de capitalisation n'est pas terminé au moment de la transmission, il se poursuit. Dans le cadre du contrat d'assurance vie, au moment du sinistre, du décès de l'assuré, le contrat est sinistré, nous en tant que compagnie d'assurance, on constate le décès de l'assuré, on a l'obligation d'ouvrir la clause bénéficiaire et donc de payer aux bénéficiaires désignés. Donc le contrat de capitalisation est un bel outil, mais par rapport au contrat d'assurance vie, vous devez le travailler et le structurer pour que ce soit optimum. Je vais vous prendre un exemple dans le cadre d'une famille recomposée. Famille recomposée, on sait que la cellule familiale a beaucoup évolué sur les 40 dernières années. Et dans l'hypothèse d'un second mariage, votre client, le preneur, veut souvent protéger sa seconde épouse, c'est tout à fait légitime, mais il ne veut pas pour autant désintéresser ses enfants. Effectivement, dans l'hypothèse où il souscrit un contrat d'assurance vie simple en mettant bénéficiaire du capital décès sa seconde épouse, effectivement, dans ce cadre-là, à son décès, le capital sera transmis, mais les enfants issus du premier lit n'auront aucune vocation à hériter au moment du décès de leur belle-mère, tout simplement. Une des solutions, par exemple, sur lesquelles on a travaillé via l'utilisation du contrat de capitalisation, ça peut être une souscription d'un contrat de capitalisation donc par le preneur, par le chef de famille, le père, monsieur, et d'y assortir un legs d'usufruit. Au moment du décès de monsieur, le contrat de capitalisation n'est pas terminé. La seconde épouse devient usufruitière de ce contrat de capitalisation, qui lui reste investi, donc elle n'a pas à se préoccuper du réinvestissement, du choix de l'assureur, du choix de la banque dépositaire ou autre. Elle est usufruitière de ce contrat de capitalisation, donc vous avez tout à fait raison, elle va profiter des fruits, donc par la convention de démembrement, on pourra prévoir que sur sa seule signature, elle pourra faire des rachats partiels à hauteur d'une certaine fraction limitée, mais pour pouvoir continuer à maintenir son train de vie. Les enfants du premier lit, eux, restent nus propriétaires du contrat de capitalisation. Et en cas de décès, quelques années plus tard, au moment du décès de la seconde épouse, de leur belle-mère, eux deviendront plein propriétaires du contrat de capitalisation. Donc ça permet de protéger à la fois sa seconde épouse, tout en étant sûr que les enfants qu'on a eus d'un premier lit, dans toutes les hypothèses, conserveront et viendront sur le patrimoine. Au casino, ou tout transmettre à ses propres enfants, qu'elle a eu sur les premières réunions,
Exactement, c'est le par rapport au premier postulat de départ, en mettant bénéficiaire en capital d'essai la seconde épouse, ou tout simplement même en ayant recours à une clause bénéficiaire démembrée et en payant le quasi usufruit à la seconde épouse, ben vous avez raison, on n'est pas à l'abri que tout soit dilapidé, si je puis dire. Et puis surtout, dans toutes les hypothèses, si elle réinvestit et qu'il n'y a pas de mécanisme qui est prévu, ben ce seront ses héritiers à elle, voire même peut-être ses propres enfants qu'elle a eus précédemment ou qu'elle aura ultérieurement, qui viendront à la vocation successorale. En aucun cas, les enfants de monsieur y auront droit. Donc c'est encore une double sécurisation, en quelque sorte. Un contrat de capitalisation permet une double sécurisation de la transmission. Enfin, en tout cas, dans une optique de préparation de sa succession. Ça permet une double optimisation, parce que ça va permettre d'être sûr de protéger sa seconde épouse, là, en l'espèce qui en veut, tout en étant sûr, en utilisant le démembrement de propriété, que l'élu propriétaire, au moment où l'usufruitier sera plus là, ou au moment où l'usufruitier se stoppera, hein, dans le cadre d'un usufruit temporaire, deviendront plein propriétaires du contrat. Et puis, c'est vrai aussi, c'est l'assurance d'avoir de son vivant, par rapport à un contrat d'assurance vie, avoir choisi la compagnie d'assurance, avoir choisi la banque dépositaire, avoir choisi le gestionnaire financier, alors que, puisque le produit va continuer, le contrat de capitalisation ne va pas se dénouer, alors que dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, sinistre, décès de l'assuré, on paye le capital d'essai et à charge aux bénéficiaires, aux héritiers, de faire leur propre marché pour savoir comment ils réinvestiront ce capital d'essai. Moi, j'ai une question supplémentaire, Julien. Est-ce qu'on peut donner un contrat de capitalisation ? Effectivement, on peut donner un contrat de capitalisation que vous ne pouvez pas faire sur un contrat d'assurance vie. Vous êtes titulaire d'un contrat d'assurance vie, vous voulez donner le contrat d'assurance vie, ce n'est pas possible. Vous devez faire un rachat. À moins de mourir. Vous faites un rachat, vous payez la fiscalité ad hoc relative à ce rachat, et ensuite, vous donnez le produit du rachat, il n'y a plus de contrat d'assurance vie, vous donnez le cash. Dans le cadre d'un contrat de capitalisation, vous pouvez parfaitement faire une donation du contrat de capitalisation en pleine propriété ou en démembrement de propriété. Anticiper la donation du patrimoine via le contrat de capitalisation et en mettant en place d'autres mécanismes comme qui sont prévus par le droit civil et le droit fiscal français, comme une donation en démembrement de propriété. Je tendais le micro à Marie parce qu'on a eu l'occasion justement de travailler sur un des dossiers de Marie de plusieurs indivisions successorales. Oui, via le contrat de capitalisation, on peut faire une souscription avec de multiples preneurs, multiples souscripteurs. Là aussi, c'est une différence avec le contrat d'assurance vie. La co-souscription sur le contrat d'assurance vie, elle est possible, mais par contre, elle est possible avec des personnes qui sont sous le mariage, pas en... Entre époux seulement, on ne peut pas... Voilà. Marie et moi, on ne peut pas souscrire un contrat d'assurance-vie ensemble. Par contre, on peut souscrire un contrat de capitalisation dans le cadre d'une indivision, et pourquoi pas dans le cadre d'une indivision successorale. Effectivement, on aura un certain nombre de précautions à mettre en place, parce que si vous avez 5 indivisaires, 5 co-souscripteurs sur le contrat de capitalisation, normalement, lorsque vous êtes sous le régime de l'indivision, il faut l'unanimité de tout le monde ensuite pour prendre des décisions, donc ce qui peut quand même poser problème. Ce qu'on a fait avec Marie à l'époque, on a mis en place une convention de démembrement et qui prévoyait un indivisaire qui prendrait les responsables au nom de tout le monde et qui serait le seul interlocuteur vis-à-vis de la compagnie, à condition que le climat familial, on va dire... où effectivement tous les frères et sœurs s'entendaient bien, il y avait 5 frères et sœurs, suite à une succession ils se sont retrouvés en indivision sur une somme d'argent et qu'ils souhaitaient conserver ces fonds ensemble, et donc du coup on a mis en place cette convention d'indivision, ou bien effectivement il y avait un frère, parce que l'ensemble de la famille s'entendait bien, qui allait gérer le patrimoine du contrat de capitalisation. On a prévu en cas de son décès ou une absence, une autre personne qui pouvait venir gérer les fonds, mais voilà, d'essayer de mettre en place finalement tous les schémas possibles dans le cadre de la fratrie. Il y a des compagnies qui ne souhaitent pas gérer l'indivision, qui procèdent au rachat.
Oui, peut-être, effectivement. Ensuite, moi, je n'ai pas d'objection à conserver le contrat de capitalisation dans le cadre d'une indivision, à condition, bien sûr, tout dépend, vous l'avez dit justement, du climat familial, ce n'est pas possible partout, tout le temps, et à condition aussi de mettre en place une convention pour savoir, effectivement, qui sera l'interlocuteur de la compagnie. Si demain, effectivement, il y a un changement de gestion qui est demandé, peut-être que tous les indivisaires sur le contrat ne seront pas ou n'auront pas le même point de vue et ne voudra pas investir sur le même type d'allocation d'actifs. Donc là, il faudra qu'il y ait quelqu'un, en tout cas, qui prenne les décisions pour tout le monde. Mais en tout cas, c'est des choses sur lesquelles, avec Marie, on a déjà réfléchi et qu'on a déjà fait. Oui, la question c'est en cas de décès relative au contrat de capitalisation avec des enfants héritiers, est-ce qu'il y a la possibilité, dans l'hypothèse où l'abattement successoral, si j'ai bien compris, n'a pas été utilisé, est-ce qu'il sera utilisable également, entre autres, pourquoi pas sur le contrat de capitalisation? La réponse est oui. C'est-à-dire qu'au cas de décès, au moment du contrat de capitalisation, comme on l'a dit, rentre dans le barème de droit commun successoral, où il n'y a pas d'avantage particulier relatif à l'assurance vie. Vous n'avez pas de régime dérogatoire comme on peut connaître très bien sur le contrat d'assurance vie. Donc le contrat de capitalisation rentrera dans le barème de droit commun, mais par contre, avec l'application des abattements ad hoc, si les abattements n'ont pas été utilisés par des donations antérieures dans les 15 ans, par exemple, pour la donation, pour l'abattement de 100 000 euros que vous évoquiez entre parents-enfants, le contrat de capitalisation sera traité comme un actif successoral classique et pourra faire l'objet de cet abattement, en tout cas de l'imputation du reliquat d'abattement si des donations antérieures ont été faites. C'est la succession classique, voilà, vous avez raison, c'est la succession classique tant au niveau civil. Vous n'avez pas de bénéficiaire dans le cadre du contrat de capitalisation, donc vous ne pouvez pas désigner, sauf à travailler par un testament, vous ne pouvez pas désigner directement quelqu'un hors de la dévolution successorale classique, sauf à faire un testament en parallèle du contrat de capitalisation. Donc il n'y a pas de dérogation aux règles civiles comme vous pouvez retrouver dans le contrat d'assurance vie. Et au niveau fiscal, il n'y a pas non plus les dérogations que vous pouvez retrouver. Et donc dans cette hypothèse-là, c'est le barème de droit commun avec l'imputation des abattements, s'il en reste. Alors, quelle stratégie peut être mise en place dans le cadre d'une personne morale à l'IS? Donc, pour une personne morale à l'IS, généralement, les partenaires qui viennent chez nous, c'est vraiment de la pure gestion de trésorerie. Le but, c'est vraiment de l'excédent de trésorerie, mais la trésorerie stable. Le but, ce n'est pas d'avoir des rachats tous les ans ou tous les deux ans, parce qu'effectivement, la société a besoin de récupérer ses avoirs. C'est de la gestion sur le long terme de la trésorerie. Et puis, il y a un certain temps aussi, il y a quelques mois, le TME, donc le taux d'emprunt moyen d'État, était négatif. Et donc, la prime de remboursement qui servait de base imposable annuelle, effectivement, il peut y avoir un débat là-dessus sur comment on allait pouvoir intégrer cela dans les bilans, parce qu'effectivement, ça pouvait avoir un certain avantage pour les entreprises de finalement montrer dans les bilans une prime négative, voire égale à zéro. Donc voilà, ça, c'était un grand débat pendant les quelques mois du TME négatif. Ah oui, effectivement, après le but, effectivement, quand vous êtes dans des personnes morales, si on est sur des sociétés d'exploitation, par exemple, qui gèrent de la trésorerie ou qui travaillent, je ne sais pas, à l'international et qui travaillent donc en multidevise également, donc peut-être en dollars ou en francs suisses, eh bien, effectivement, dans les gestions
que nos gérants proposent, ou bien les banques dépositaires, en tout cas avec qui nous travaillons, ce sont des comptes qui sont ouverts en multidevise. Donc votre société a la possibilité de faire directement un virement depuis son compte société, donc au compte contrat de capitalisation, en dollars, en francs suisses, en livres. Et donc là aussi, effectivement, vous n'avez pas besoin de passer par la case change pour pouvoir investir dans le contrat. Donc c'est aussi un gain. Oui, effectivement, dans les contrats luxembourgeois, effectivement, vous avez une gestion multidevise. Donc, que vous soyez en contrat d'assurance vie ou de capitalisation, vous pouvez faire vos versements dans d'autres devises que de l'euro, ce qui n'est pas forcément possible en France. Alors, vous avez une durée pour les personnes physiques, effectivement, il n'y a pas de durée viagère puisqu'il n'y a pas de vie assurée. Donc, c'est une durée maximum de 30 ans. Pour les personnes morales, ce sera la personne morale, donc la durée de la personne morale, maximum 99 ans, suivant certaines personnes morales. Après, sur ce que nous travaillons, étant une compagnie luxembourgeoise et n'ayant pas également de fonds euros, comme vous l'a dit Marie tout à l'heure, on n'a aucune pénalité en cas de rachat. Sur les personnes morales, certaines compagnies françaises pratiquent le contrat de capitalisation, mais dans l'hypothèse où un rachat est fait durant les 4 ou 5 premières années, le fonds euro et la rentabilité qui est sortie sur le fonds euro est cutée d'une pénalité, justement le but étant de faciliter, d'éviter des allers-retours via le contrat de capitalisation. Nous, étant une compagnie 100% luxembourgeoise, et surtout, comme Marie vous l'a dit, ne pratiquons absolument pas de fonds euro, dans le cadre d'une société à l'IS, d'une société d'exploitation, d'une personne morale à l'IS, vous êtes tout à fait libre de faire les rachats quand vous voulez sur le contrat de capitalisation. On n'appliquera, nous, aucune pénalité. Effectivement, la question sur la souscription par une personne morale à l'IS. Souscription d'une personne morale à l'IS, de la possibilité, puisque la fiscalité, comme Marie vous l'a expliqué, c'est justement ce TME qui est extrêmement bas. Et aujourd'hui, le TME a été assez négatif. Donc, il n'y a absolument rien dans la documentation fiscale sur ce TME négatif, puisqu'on est complètement en terre inconnue. Et vous avez raison, quand vous faites la formule mathématique barbare, contrat de capi multiplié par 105% du TME, quand le TME est négatif, vous tombez sur une assiette négative par définition. Donc, très avantageux, vous n'avez rien à payer, votre personne morale à l'IS n'a rien à payer au niveau de l'impôt, mais on pouvait se poser la question, quid de cette assiette négative ? Alors effectivement, on a un petit peu interrogé et puis on s'est posé la question, qui est une question nouvelle. On n'a pas eu véritablement de réponse parce qu'il n'y a pas de réponse précise de l'administration sur la documentation officielle. Nos différents conseils sont des conseils donc qui recommandent d'être prudent. Néanmoins, aujourd'hui, je ne verrai pas aujourd'hui de passer en charge négative cette assiette. Ne choquerait pas les différents conseils qu'on a imputés. Et ensuite, pour le moment, c'est qu'un avantage qui est simplement provisoire. Ensuite, à voir lorsque vous ferez un rachat, lorsque la personne morale fera un rachat sur le contrat de capi à l'IS, c'est là que vous constaterez véritablement une plus-value, ou la documentation fiscale aura évolué, ou éventuellement, pourquoi pas, compenser cette plus-value avec ces pertes que vous avez mis en réserve et en charge, ces charges que vous avez passées au bilan depuis des années et des années. Vous ne faites qu'une application littérale du 238 septièce du Code général des impôts. La valorisation du TME est aujourd'hui négative. Vous tombez, vous avez raison, sur une assiette négative. Au niveau comptable, vous le passez en dépréciation, suivant les principes de base de comptabilité. Mais effectivement, je ferai ça, mais pour l'appréciation et l'utilisation de cette dépréciation au moment du rachat, pour l'instant, j'ai pas de réponse précise à donner. Mais c'est effectivement quelque chose à suivre. Et vous avez raison, Momentum, pour souscrire un contrat de capitalisation pour une personne morale à l'IS, compte tenu eu égard au taux du TME aujourd'hui, est particulièrement avantageux, c'est clair. Une autre question dans la salle ? Encore vous ? Oui ?
Ouais. La question au niveau du démembrement de propriété, dans le cadre d'un démembrement sur le contrat de capitalisation, est-ce que ce serait possible d'aller au-delà, que le conjoint puisse aller au-delà des fruits? La difficulté, c'est quand vous travaillez en contrat d'assurance vie ou en contrat de capitalisation, c'est de qualifier les fruits, puisque par définition, quand vous faites un rachat, ce n'est pas des fruits, vous rachetez à la fois du capital et à la fois des produits. Ce n'est pas les loyers qui tombent d'un bien immobilier. Donc, aller tout dépend de ce qui est prévu dans la convention de démembrement. Et là, il faudra faire une convention de démembrement sur mesure. Effectivement, si ça va au-delà des fruits, donc au-delà de ce qui est gagné par le contrat chaque année, là, par contre, il faudra sans doute la signature de l'ensemble, de l'usufruitier et du nu propriétaire, alors que si vous vous contentez de ce qui a été gagné par le contrat, vous laissez la seule signature de l'usufruitier, donc vous laissez le souplesse et le choix à l'usufruitier, au conjoint dans votre exemple. Et si vous allez au-delà et que tout le monde est d'accord, ça ne me pose pas de problème. Simplement, l'épouse aura un quasi-usufruit, sera quasi-usufruitière du capital perçu du fait du rachat sur le contrat de capitalisation démembré, et donc par définition, les enfants nus propriétaires du contrat de capi seront titulaires d'une créance de restitution qui pourront, comme vous l'avez dit, imputer au moment du second décès. C'est possible avec un contrat de capitalisation? C'est possible. Avec n'importe quel autre placement. Le contrat de capitalisation est un bel outil. Et on est sur quelque chose, parfois on le dit avec Marie, qui est un bel outil, c'est une belle boîte à outils. Un peu plus technique que le contrat d'assurance-vie, où là, le contrat d'assurance-vie, vous avez forcément la fiscalité dérogative qui va s'appliquer pour les primes versées avant 70 ans. Vous avez des belles choses à faire sur le contrat de capitalisation, mais à condition d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion et dans la structuration. Et pas simplement faire un contrat en capitalisation, souscription simple. Moi, j'ai une question tout à fait idiote. On peut souscrire autant de contrats de capitalisation qu'on veut, comme les contrats d'assurance-vie, et est-ce que ça a un intérêt ou pas vraiment. Alors oui, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas souscrire autant de contrats, je ne sais pas. Après, on a des seuils minimums de souscription, donc Alors chez nous, c'est 250 000 euros au minimum. Donc après, ça dépendra si on parle d'une personne physique, si on parle d'une personne morale, une holding, ou si on parle d'une société d'exploitation. Pour les sociétés d'exploitation, on a des seuils un peu plus importants. On est aux alentours d'un million d'euros. Et pour les sociétés holding ou bien des personnes physiques, on va être plutôt vers les 250 000 euros. Si c'est chez Willins, effectivement, vous pouvez souscrire autant de contrats de capitalisation que vous pouvez ailleurs, non? Je plaisante. Mais non, il n'y a pas de problème pour souscrire différents contrats de capitalisation, par exemple, dans l'hypothèse où vous voulez éviter de rentrer dans une indivision. Vous avez deux enfants, vous souscrivez deux contrats de capitalisation, vous faites en parallèle une donation démembrée. Et effectivement, pour éviter que les enfants soient en indivision sur le même contrat de capitalisation au moment de votre décès, ce qui peut poser un certain nombre, parfois, de difficultés suivant les familles, au moment du décès de l'usufruitier, chacun a son contrat de capitalisation et chacun en fait ce qu'il en veut. L'importance, donc dans le cadre d'un démembrement, votre question, dans le cadre d'un démembrement subi, hein, donc le démembrement successoral, effectivement, l'importance de la convention de démembrement, hein, l'importance de la convention de démembrement à signer avec le notaire au moment de la succession, puisque vous avez raison, pour éviter que l'usufruitier décide sur sa seule signature de racheter au-delà des fruits, hein, tout simplement, pourquoi pas qu'il décide de vider le contrat de capitalisation s'il en a envie pour différentes raisons, là, effectivement, ce serait important de signer une convention de démembrement. Par exemple, nous, on prévoira une convention de démembrement qui va laisser la signature à l'usufruitier sur tout ce qui excède le montant de la prime, c'est-à-dire tout ce qui a été gagné par le contrat. Vous souscrivez 100, à la fin d'année, le contrat il est à 110. Sur tout ce qui excède le montant de la prime versée, ou là, dans cette hypothèse-là, au moment de la transmission, puisqu'on est dans le cadre d'un décès, l'usufruitier aura droit sur sa seule signature de racheter les 10. S'il veut aller au-delà, racheter un 40, 50%, voire même le rachat total, il faudra qu'il y ait la signature de l'ensemble de l'usufruitier et du nu propriétaire. Et donc cette convention de démembrement, ou c'est une convention de démembrement que la compagnie va mettre en place, ou on va le faire avec le notaire, et c'est nous en tant que compagnie qui vérifierons au moment du rachat si on est dans les clous de ce qui est prévu dans la convention de démembrement qu'on a mis en place nous-mêmes en sur-mesure ou avec l'appui d'un notaire.
La convention de démembrement, elle est. Bah, si le contrat, est-ce qu'elle est mise en place au moment de la souscription du contrat ou durant la vie du contrat? Bah, si vous souscrivez un contrat en tant que personne physique seule, sans démembrement de propriété, il n'y a pas de sujet. Ensuite, la convention de démembrement sera mise en place au moment du démembrement, ou dans le cadre d'un démembrement subi au moment du règlement chez notaire, dans le cadre du succession, ou bien sûr lors d'un passage en donation, en usufruit par exemple, ou qu'on évoquait tout à l'heure, ou prévu dans le testament, dans le cadre du legs d'usufruit, dans le cadre de la famille recomposée dont on vous parlait tout à l'heure. C'est à cette occasion-là qu'on mettra en place la convention de démembrement. Important pour organiser les droits de chacun sur le parti et pour éviter tout risque de blocage ou de contentieux. Merci à vous, merci à vous tous. Merci à vous également, merci. Boîtier noir sur votre siège. Vous pouvez repartir avec vos casques, il n'y a aucun problème. Et le prochain débat est à 13h. Et bien entendu, n'hésitez pas à aller voir les deux intervenants, ils ont un stand, donc ils pourront répondre à d'autres questions plus personnelles.